Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est ADN, heureux de vous recevoir une fois de plus sur notre chaîne étude qui a pour but de vous aider dans vos différentes procédures en vous montrant les informations pas à pas et en vous accompagnant. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à l'avenir et surtout à partager massivement auprès de plusieurs de tes amis afin de ne rater aucune vidéo à l'avenir et à faire en sorte qu'ils profitent aussi de l'information. Je t'invite à activer la cloche de notification pour ne rien rater comme vidéo parce que constamment je poste des vidéos en fonction des opportunités de différents pays pour vous aider et vous accompagner dessus. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment faire la demande pour aller travailler au Canada, en Finlande, autant pour moi. Ils m'ont demandé comment faire pour aller travailler en Finlande. Donc, j'ai décidé de vous montrer comment s'inscrire et pour ceux qui n'ont pas regardé les anciennes vidéos, j'ai fait une playlist dessus. Je vous invite à aller regarder. Le programme consiste à faire quoi? Je vous explique en bref comment ça va se passer et qu'est-ce que vous devez faire. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de s'enregistrer. Une fois que vous vous êtes enregistré, vous allez remplir un formulaire de consentement. Après ce formulaire de consentement, vous allez passer un entretien. Après l'entretien, vous allez faire une étude de langue. C'est gratuit. À partir de votre pays, ils vont vous donner des programmes à faire dessus. Et c'est totalement gratuit. Une fois que vous avez fait l'étude de langue et que vous avez passé votre entretien, ils vont vous donner une liste d'employeurs, un choix d'employeurs que vous devriez choisir en fonction de votre profil. Et par la suite, vous pourrez faire votre demande de visa et vous en aller. Donc, le processus, il est très, très, très simple. Donc, en 5 étapes, tu peux avoir ton visa finlandais. Et en moins de 6 semaines, tu peux décrocher. Donc, c'est pas compliqué. Sans plus tarder, je vais directement vous montrer comment faire pour postuler. Alors, pour postuler, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu viens là, tu cliques sur s'inscrire. Une fois que tu arrives ici, tu peux traduire la page pour mieux connaître. Tu viens ici, tu tapes, je mets le nom, tu mets ton nom, ton deuxième nom, ton nom de famille, ton adresse mail. Tu choisis un pays de, on dit, pays actuel dans lequel vous vous trouvez. Je vais mettre par exemple Sénégal. Degré, je mets par exemple 2. Nom de Facebook, je m'appelle Lily sur Facebook. Donc, vous mettez vos informations pour qu'ils puissent vous contacter. Nationalité, je vais mettre Cameroun. Mettez votre nationalité, bien sûr. Mais par exemple, Cuba. Pays de naissance, Sénégal. Quand avez-vous pu commencer votre travail en Finlande? Bon, tu peux mettre la date du jour, c'est pas compliqué. On vous demande, avez-vous l'intention de vous rendre directement en Finlande depuis le pays dans lequel vous vous trouvez actuellement? Tu mets oui. Tu cliques sur je consens à ce que ce site web stocke et tu valides que tu n'es pas un robot et tu soumets ton formulaire. Une fois que ton formulaire a été soumis, tu vas recevoir cette page. Merci, vous avez postulé. Et vous allez recevoir un deuxième email concernant les prochaines étapes à suivre pour votre procédure. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre la suite des étapes, n'hésitez pas à me contacter ou bien à me laisser des commentaires pour que je puisse vous aider. Et je vais vous aider à faire cela. Donc, c'est très simple. Vous voyez, ça a été très simple. J'ai soumis et je passe. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, continue à postuler, 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 postuler. Ce n'est pas en postulant une seule fois que tu es sûr que tu vas avoir une acceptation. Ça multipliant tes chances. Et avec la persévérance, tu verras que tu arriveras au bout du tunnel. Donc voilà, c'était tout simple et je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes parce que j'expliquais plus cette partie-ci et c'est une playlist que j'ai fait. Donc je vous invite à aller regarder et on se retrouve à très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.